Salut à tous, c'est Seven Seed Cabal, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Assassin's Creed Unity. Donc c'est l'épisode numéro 13, et je vais redémarrer la mémoire vu que j'ai eu un petit problème de son. Donc je ne sais pas si c'est... Enfin, si c'est revenu, ça je le sais. Mais je ne sais pas si vous allez pouvoir revoir la cinématique. Donc on se retrouve après. Que sais-tu au sujet des négociants de grains? Ravi de te voir, moi aussi. La plupart sont dans la misère ces temps-ci. Pourquoi? Je tiens une piste menant à Germain. Il a chargé une certaine Marie d'acheter des cargaisons de grains et de les acheminer jusqu'à un quai privé. Marie l'évêque? Tu la connais? Les l'évêque font partie des Templiers depuis la Troisième Croisade. Marie a été la seule à s'opposer à l'exil de Germain. Je ne suis pas surprise qu'elle soit de mèche avec lui. Est-ce que tu sais où on peut la trouver? Non, je n'en sais rien. Mais le peu de grain qui parvient à Paris ces jours-ci est déchargé sur les quais de l'hôtel de ville. C'est parfait. Je commencerai par là. Et moi, je vais trouver l'endroit où se cache Madame l'évêque. Donc on a pu revoir la mise à jour. On a pu revoir la cinématique. On va se diriger directement vers là-bas. Et on va essayer de trouver Madame l'évêque ou les grains, etc. Donc j'ai commencé à faire des parties en... comment dire... en coopération. Ça a l'air intéressant, j'ai pas encore très bien compris le concept, comment tu fais pour parler aux autres, comment ci, comment là. Mais ça a l'air sympa quand même, donc on verra bien. Hey, revenez ici! Vous avez dépassé le quai, bande d'idiots! Où est-ce que vous allez? Donc on va suivre un bateau apparemment. Et maintenant je poursuis les bateaux. Qui va même très rapidement. Je suis désolé si je parle pas trop fort, c'est qu'il y a ma copine qui est en train de regarder un film juste à côté, alors... C'est du saut d'obstacle hein. Pour l'instant c'est la tranquillité, j'appelle ça. On va éviter les zones rouges parce que sinon ils vont me caler direct les mecs. Il fait quand même des sacrés sauts. Hein. Arnaud il rigole pas lui. Hein. Allez! Attachez-moi ces amarres! Capitaine! Tout s'est bien passé? Oui, madame. Vous avez vos ordres? Ici, madame. Bien. On m'a chargé de vous rappeler qu'il fallait percer l'un de ces sacs. Bien, madame. Au travail! Ok. Donc c'est elle, la méchante qu'on doit tuer, bien évidemment. Il me semble que dans la... Oh, oui. Ah non. Il me semble que la seule mission en coop que j'ai fait, mon but c'était de tuer sa collègue. C'était quoi ça?
Ils sont un peu pas mal ici. Donc hop. J'essaie de les faire en mode silencieux comme je le faisais avant. J'espère que c'est au moment où je dis ça que je vais me faire choper. Alors qu'est-ce que je vais faire? Juste voler. Ça a l'air d'être une meilleure idée de passer par ici quand même. Tourne ta tête, ou alors tu viens, c'est au choix. Arrête de fixer par ici s'il te plaît. Bon allez hop. Oh là, ils arrivent tous. Hop. Oh, ils regardent vers moi, ça craint par contre. Et merde. Il sait pas nager discretos. Bon, où te caches-tu, c'est les rats? Il n'y a pas de scélérat ici, il y a juste des rats. C'était nul comme blague. Très bien, je vous l'accorde. Il fait du breakdance, c'est pas mal. Brilliant. Alors je... Voilà. Et merde, tu dois merde. Et il a fallu que je le décale au même moment qu'il tire. Lui de balle est une œuvre. Bienvenue dans la réalité d'Assassin's Creed Unity. Ça, tac. C'est bon, t'as rien eu. Cache-toi. Je ne te laisserai pas t'enfuir. Voilà, il est mort. J'ai volé les ordres. C'est génial. Il est mort comme une merde en vrai. Moi j'appelle ça l'air con. Dans le jargon.
J'aurais pas dû partir par là, je vais me prendre des balles dans le cul. Peut-être pas. Ça va, je m'en sors pas trop mal. Le palais du Luxembourg. Qu'est-ce que vous allez y faire ? Ben voilà, on va valider à 100%, hop, hop, et je crois qu'on va s'orienter directement vers une prochaine mission. Comme ça, ça sera fait. Tu avais raison. Des hommes de Marie l'évêque ont déchargé les bateaux et emporté le grain au palais du Luxembourg. Si le peuple croit que la famille royale accapare des réserves de grain en temps de famine... Ce sera l'émeute. C'est exactement ce que Germain souhaite. Je te laisse, Madame l'évêque. Je vais retrouver le grain volé et le faire sortir de là avant qu'on ne le découvre. Fais attention à toi. Ne te fais pas prendre. Au secours! À l'aide! À moi! Donne-nous la poudre! Michel. Si seulement je pouvais mettre la main sur ce garde. Une très belle fête. Vous vous êtes surpassée, ma chère. Merci. Veuillez m'excuser, je dois aller retrouver mon mari. Quarante-sept entrées, 60 gardes, 3 objets à collecter, 9 cloches d'aléa. Ce que je trouve magnifique, c'est quand même l'univers est vraiment, enfin, est vraiment beau. Ça me rappelle un peu ce qu'on pouvait voir à l'époque avec avec comment Ezio dans Venise. J'avais exactement pensé à ça en fait. Merci. Tout va bien? Je vous promets le spectacle de votre vie. Je m'en voudrais beaucoup d'abandonner un artiste dans le besoin. Quel enfoiré. Nous y sommes presque. On approche. Attention. J'ai à te parler, toi. Moi aussi, j'ai à te parler, ma gueule. Hop. Ça charme, n'est-ce pas? Attention là, j'ai envie de te faire rosser. Et voilà, on n'en parle plus, ma gueule. Mais tu peux accélérer un peu plus par contre. Je suis pas contre. J'espère que tu vas tourner quand même. Ou pas ici. Merci mon ami. J'aimerais pouvoir vous remercier comme il se doit. C'est inutile. La diversion suffira largement. Qu'entendez-vous par là? Rien. Diversion par feu d'artifice acquise. Encore un fou. On a une cloche derrière dans le secteur. Quel jeu d'opportunité d'aide. Quelqu'un peut m'aider? Est-ce vraiment nécessaire? Ah oui, c'est l'autre dans... Je vais m'infiltrer par ce fenêtre. Je ne sais juste pas prendre. Voilà. Je suis bien pour l'instant. Bon, tu peux juste rentrer.
Tu vas pas tourner, toi. Et merde, fallait qu'il... Putain. Oh non, tire pas. Oh Dieu, me tire pas, mon pauvre. Ça c'est fait. Voilà. Discretos. Les gens sont à côté. Ils m'ont absolument pas vu. Bon, les méchants sont en dessous. Il y en a qui dirigent vers moi. Putain, je me suis fait griller. Tu as parlé, citoyen. Je t'ai trouvé. Avec vous. Ok, je suis mort, c'est réglé. On n'en parle plus. Game over. Bam, la sentence est levée. Sixième. Enfin, je crois que je suis à 6ème. Voilà, ça c'est réglé. Qui va t'envoyer, ou galer, pour une simple mise à pied. Il faudrait que j'arrive à récupérer l'accès, là-haut. Tout est bien verrouillé. Oui, monsieur, laisse-moi regarder cette serrure. Bien sûr, faut que tu te plantes, faut que tu te montres. Mettons ta tête. J'ai pas le temps. Allez. Bon, elle vient mourir. Alors. Hop, on n'en parle plus. Toi, c'est pareil, t'es mort. T'inquiète pas, je vais la voler. Tu pourrais te dépêcher de voler la clé, s'il te plaît. Merci, je m'en vais. Oh là là là. Ils sont trop. Cours, taille-toi, vol, nage. Bien entendu, je me prends les balles. Hop, je suis caché là. Bon putain, vous êtes tous là. Je vais en profiter pour aller les délivrer. Ça vous embête pas? Je pense pas.
Allez, bah, allez, bah. Qu'est-ce... Oh. Je vous laisse, les gars. Tourner, tu montes de côté, hop, tu montes, tu te dépêches de monter s'il te plaît. Allez, plus vite, plus vite, plus vite. Allez, encore, encore. Voilà. Vite, vite. Du coup, ça fait que je les ai libérés. Ils vont faire quoi de plus? On va monter ici. Hop, je l'ai repéré. Comment je peux la tuer, cette grosse salope? Tuez-moi. Oh. Descends, descends. Hein? Mais qu'est-ce que... Voilà, tais-toi. Et qui doit t'en voir? Toi qui peux me saouler. Il n'y a pas des peurs comme ça. Hop. Je tiens à vous remercier de votre venue. Ce soir, nous fêtons une nouvelle étape sur la voie de la liberté. À nous. Je suis très concentré, c'est mon Peter, je me fais avoir. Des soucis? Et mon mari? Tout bonne clé, madame. Bien. Citoyen de grâce. Je suis sûr qu'il est là, son mec. Ah non, il est là-bas. Est-ce un nouvel avis? Très saillant. Oh, il y en a un autre là, c'est lui qui m'a spoté la dernière fois, je suis sûr. Rappelle-toi ce que je t'ai appris, Marie. Oui, maman. François Thomas Germain, tu es banni au titre des crimes que tu as commis contre l'ordre des Templiers.
Tout homme qui lui portera secours connaîtra le même sort. Pauvre fou, de voler me parle. Je connais ses pensées, de la serre. De la serre! Madame, un visiteur. J'ai besoin de ton aide, Marie. Vous aviez raison. Le roi Louis entretenait toutes sortes de relations répréhensibles. Il complotait contre la révolution d'une main, tout en jurant soutenir la constitution de l'autre. Bien. Vous saurez confier ces informations aux bonnes personnes, monsieur le Pelletier. Bien entendu, grand maître. Grâce aux preuves réunies, la condamnation du roi est acquise. Et là, c'est le moment où je dois courir. Maras. Y'a pas une fenêtre par ici, s'il vous plaît. Une fenêtre. Juste une. Je n'ai pas vu qu'il y avait. C'était indiqué la fenêtre qu'il fallait que je prenne. On se taille. Je change le coin. Non. Et voilà les amis, on va se laisser sur cet épisode. C'était un très long épisode, je sais. En tout, il dure 47 minutes, mais je vais le réduire. Donc en tout, vous verrez 20 minutes. Enfin, 30 minutes de galère. Donc je vous laisse les amis et je vous dis à la prochaine pour l'épisode numéro 14. Bye.